que cela sera possible. Viens me voir et je t'expliquerai. Ok. Donc là, on est retourné dans l'expansion numéro 3. On a. De toute façon, on a pas mal de quêtes un peu partout. Donc. Petite quête. Détruisez les véhicules des bandits. La lance écarlate peut parfaitement satisfaire vos besoins en matière de sécurité. Tout ce qu'on vous demande en échange, c'est d'éliminer les bandits en infraction avec le code de la conduite hors route que vous croiserez en parcourant la zone. Nous sommes toujours disposés à récompenser ceux qui accomplissent notre travail à notre place. On va aller faire ça. Faut détruire des patrouilles. Patrouilles de bandits. Ça ne devrait pas être trop difficile. J'en ai assez de marcher. J'ai toujours aimé mieux ce véhicule-là que l'autre. Au! Non, je roule bien mal. C'est le côté négatif que je vois, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de téléportation. On peut pas se téléporter d'une place à l'autre. Il faut vraiment faire toute la map. Ce qui est un petit peu... plate, on pourrait dire. De nouvelles missions sont proposées sur le panneau de prime de Kibon Junction. Oh shit. Ça peut. C'est juste ce genre de véhicule-là. Je pense pas. La vitesse tue. Non, ça compte pas. C'est vraiment des petits véhicules de bandits. Midget 2. N'oubliez pas, citoyens, les balles coûtent cher. Soyez économes et mourrez vite. Informer avant ce difficile passage de la vie à la mort.
de véhicule. Ah, il est là. Faut que je m'active pour les finir, là, parce que le 3, il sort bientôt. J'ai encore 2 mois, mais c'est pas gros, là, pour 3 jeux. Ok. Ah, oh, mais il y a un jump, je peux passer ça. Ben voyons donc. Ils ont de la misère avec leurs maudites maps dans ce jeu-là. C'est mal fait. Là, je suis pogné, là. Ça va pas bien. Ok. Pis c'est loin, ça a pas de sens. Il y a plein d'ennemis, mais ça va me permettre de ramasser des... un chemin plus facile d'y aller là. Je sais pas. Non! Le seul bouquet, pas d'escalier. Je suis où là?
Ici Scooter, arrange la bagnole. Reste pas là comme un débile. Je veux un véhicule. Chope un véhicule. Votre mort ramènera la paix et la prospérité sur Pandore. Non, c'est vraiment pas mon expansion préférée, bizarrement. Assurez-vous de bien demander à votre famille de choisir un cercueil. Voyons donc, c'est quoi qui s'est passé? Je suis tombé dans le vide? Sacrement qu'il y a de la misère, ce jeu-là! Je sors de finir cette expansion-là. Sérieusement, il y a vraiment quelque chose, là. C'est long. C'est vide. Non, je les suivrai pas eux autres, je vais juste comme... Oh, c'est tout de l'air. J'ai la moitié des bleus. Il n'était vraiment pas à la hauteur.
Là, j'en ai oublié un ici. Je pense que c'est un bug. La dernière fois et tout, ça a fait ça. Des affaires? Non. Hein. Ah oui. Pas peur les robots. C'est 17 là. C'est parti! Je ne reste pas ici plus longtemps. D'avoir un endroit facile à téléporter, là, je veux dire. Qu'est-ce que je viens de faire là?
Là. Je me demande s'il n'y avait pas. Lockdown Palace, c'est bien beau. Hein? C'est quoi ça? Drifter. Fuck. Première fois que je vois ça. Oh, c'est pas mal, ça fait là. C'est une nouvelle sorte de bébite. C'est pas très beau. Ça, c'est sûr. Patrouille de bandits. Un sur 10. La deuxième là. On va se promener, on va bien trouver des chars. J'ai 2 sur 10 d'être détruit. C'est triste. Et si bois. Comment c'est cette petite bébête là?
des véhicules. Tout allait en l'air. Cuff. Voyons si la chance me sourit. Voir la prison maintenant. Avant, c'était une île dans l'ancienne mer. Maintenant, c'est le petit réservoir à massacre de Monsieur Shank. Tu me suis? Pas trop? Oh, pas grave. Ce qui t'intéresse, c'est un petit tremplin naturel à l'ouest du palais. C'est ton billet d'entrée. Moitié de fête. J'ai besoin qu'il me manque. Holy fucker. Non. Voyons donc. C'est-tu one shot cette affaire? Bon. Y aller? Il me faut un véhicule. C'est des patrouilles ici.
quoi cette place là? Circle of Duty. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est une map. Bon, ça c'est une map jouée à plusieurs. Genre de PVP. On va l'arranger, ta tire. J'en ai assez de marcher. J'aurais dû prendre toutes les quêtes de ce coin-là. Je suis sûr que je vais reprendre cette session. Sacrement de contrôle de marde de calice. C'est incroyable comment ça va mal conduire dans ce jeu-là. On y va! Je ne reste pas ici plus longtemps. Je sais pas ce qu'il y a au bout de ça. C'est dégueulasse ces ennemis-là. C'est pas le fait que je dois tuer détruire des patrouilles, mais j'ai l'impression que je vais en avoir plus. En bas de la map, il me semble qu'il y en avait ou tout des patrouilles. La quête principale, parce que je vais foutre la quête ici.
7. Juste un. Attends, j'aurais dû rester ici depuis le début, c'est pas mal ça qu'il est en train de me dire. Là. Rapport. Mais là, je vais changer la quête pour la grande évasion. Pendant que je suis ici, j'ai pas envie de refaire 10 fois le même chemin pour venir ici, c'est long. Si j'ai des quêtes secondaires qui m'amènent ça, je vais le faire. Mais... Donc, faut que j'aille là. Pour ça, faut que j'aille du gaz, du nitro. Ok, on y va. 1, 2, 3, go! Ça a tout pris, mais on a réussi. C'est la maison de mon mari numéro 1. J'ai toujours dit que ce toit ferait une super rampe. Allez, que le spectacle commence! J'ai pas été assez loin. J'ai peut-être pas été assez vite. De toute façon, faut commencer. Bon. C'est ça que j'aime pas. Les contrôles sont vraiment stupides. Je déteste ça, moi, des jeux de char, là. Simple angle qui manque, là, ça scrape ton affaire. Je sais pas, peut-être qu'on peut rentrer dans la maison par exemple. J'ai envie d'aller voir. S'il n'y a pas quelque chose comme. Peut-être une petite. Des Easter eggs ou des affaires, non? Ah, oh, il y a un coffre, ça me vient. Il faut un peu de chance pour réussir. Il n'y a pas de lit à rien dans sa maison. C'est un peu triste. Thank you.
Bon, deuxième essai. Ça marche pas là. Voyons, sacrément, on est supposé de réussir? Si, pour entrer dans la prison. Peut-être que j'étais correct tantôt, faut juste que je contourne. Ça se pourrait. L'avoir. Tu seras entré, trouve un transmetteur écho pour me prévenir que tu as réussi. Range ta bagnole. Ok. Tu l'as fait. Ces salopes devaient pas s'attendre à ce que tu tombes du ciel. Ok. Monsieur Chang doit garder ta nana dans un des blocs de cellules. Entre dans le bâtiment. Vous avez contacté Moxie pour informer que vous avez rentré dans l'enceinte du Lockdown Palace. Elle vous fournira de nouvelles instructions quand vous serez à l'intérieur. Évitez de vous faire égorger. Tuez Monsieur Shank et sauvez Athéna. Okay. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, vous devez trouver Monsieur Shank, le soi-disant gardien du Lockdown Palace. Il a un téléporteur de poche appartement à Athéna. Vous devez lui reprendre cet appareil pour la sauver. Si vous parvenez à la récupérer, il ne vous restera plus qu'à trouver Athéna. Bon, ben on va faire un petit donjon, une petite mission intérieure. Seule chance de faire sortir Athéna, c'est le téléporteur de poche qu'elle avait. Et nous sommes tombés dessus si vite au club qu'elle n'a pas eu le temps de l'utiliser. Je suis sûre que Shang doit l'avoir maintenant. Tu vas devoir le lui reprendre. Mais il préférera se faire tuer plutôt que de te le donner. Alors te gêne pas pour le buter. Et fais-moi plaisir. Vise les parties basses. Alors, on va déployer ces mercenaires les mieux armés. Ils font encore mieux. Oh, man.
vous vous croyez discret? C'est ça pour vous, une infiltration discrète? On vous voit sur la caméra, et merci. C'est le premier film nouveau en 14 ans. Chaz a même fait des frites au chili pour fêter ça. Il est sympa, Chaz. Mais c'est pas mon type. Merci, mais... non, merci. Si vous cherchez la fille, on l'a pas touchée. Quelle merde. Enfin, on pourrait, si on voulait. D'ailleurs, j'ai bien envie d'aller la toucher, là. Peut-être que Chaz voudra m'accompagner. Ok, c'est un autre débile mental assez intense. Mr. Charles. C'est pas un gros donjon. Quand même. Juste ici. C'est toutes des affaires vertes. C'est un peu triste. C'est le premier endroit vraiment cool de l'expansion, je trouve. J'en ai tué trop déjà. Tiens, arrête! Je crains les chatouilles! Comment ça, tout le monde m'entend? Merde! Vous essayez encore d'entrer dans le palais? Bon, bah, la mort sera votre récompense et blablabla, blablabla. Que j'ai entendu un clap-trap en train d'agoniser. Ouais. La chance est-elle avec moi? C'est ça. Ministère. Vraiment excellent.
Tu vas crier. Mais comment avec ça? Sauvetage de clap 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 donc. Vous allez découvrir un clap clap immobilisé. Trouvez un kit de réparation pour. Je compte même battre le record d'ensalement de la planète. Tu ne peux pas m'échapper. On va te sauver. Tu nous échapperas pas. Je vais te buter. Oh, ça doit être douloureux. Quelqu'un veut faire un bridge? J'ai un paquet de cartes sur moi. Je vous dirai ce que vous avez. Je dis 3 de carreau et vous devriez essayer 4 de pique. Allez, jouez avec moi. Ok, le kit il est là. Je veux juste avoir bien sur mes pas. J'ai compris. C'est un peu excessif là. Qu'on disait que les balles ricochaient dessus. Apparemment, c'est pas le cas. Pauvre Jérôme. Au fait, je sais pas si vous savez, mais je vais vous buter, ça c'est promis. Votre adversaire est mieux équipé que vous. Achetez des armes encore meilleures que lui. Salut! Comment ça va, Jimmy? Ça va super bien, merci. Que le boss il est comme peut-être des... il y a un côté homosexuel qui ne veut pas admettre. On descend. Sortez. Allez, on se défait. J'avais fait cette expansion-là, en fait, ça me sert seulement à rien. Oh, bon sang!
Un broche, le boss, là. Comme c'est long. Ici. Oups! Tu vas avoir de gros, gros problèmes! Shang va t'égorger! Shang va te faire sortir les yeux de leur orbite en les aspirant avec une paille! Shang va... On dit Monsieur Shang. Monsieur Shang. J'adore ce truc! Puis il faut se battre dans les douches. Bon, okay. Ici, abruti! Vous allez sortir ma lame! J'ai les trois qui... Je vais vous montrer qui c'est qui commande par ici! Ben, du bouclier, ça n'a pas de sens. Je vais vous planter en plein dans le cœur et vous regarder crever. Ça, c'est pas grave. Pas si peu. Oh, c'est quoi ça? Tu as tué mon deuxième mari. Tu l'as vraiment tué? C'est vrai que c'est moi qui te l'ai demandé, mais... Oh, j'ai du mal à réaliser. Va chercher la fille. Je te recontacte. Tu possède de points utilisés par les assassins d'Atlas pour t'en rendre. Ok. Comment je fais pour sortir? Oh, un sniper et tout. Ah, on est bien équipé là.